Mon thème ce soir, c'est les, les yeux persévérants levés vers le ciel. Et ce message s'inscrit dans la suite de ce qu'on a vu la dernière fois pour ceux qui étaient présents. Qui est Qui sait qui se souvient sur quoi j'ai prêché la dernière fois Tu t'étais Terminez la course, vous vous souvenez pas on a vu des belles, une belle vidéo d'une athlète qui s'est trompée de, de couloir. Donc nous allons dans la, continuer dans le deuxième volet, qui donc s'intitulera « Les yeux persévérants levés vers le ciel ». Dans le premier volet, nous avons vu que la vie chrétienne était une course qui, certes, lors de certains moments est difficile. Il y a des moments difficiles, des moments faciles, mais ce qu'on avait retenu, c'était que le plus important, c'était de terminer la course et que Jésus était là pour nous aider dans, à chaque instant face à l'adversité et dans les moments faciles également. Alors que la compétition fait la part belle aux vainqueurs, qui se souvient du deuxième d'une course ou pire du dernier et Je vous avais demandé, pour ceux qui étaient là, qui étaient les vice-champions du monde et peut-être vous au football bien sûr peut-être que maintenant vous le savez ou peut-être toujours pas les champions du monde c'est les Français vous pouvez demander à Livio et les vice-champions du monde la Croatie. la Croatie voilà donc on voit qu'on a de la peine à reconnaître le deuxième et, et en plus le dernier et c'est pour la différence c'est que Dieu dans notre course récompense ceux qui finissent et c'est pourquoi on est appelé à terminer la course on n'est pas appelé à terminer premier deuxième troisième d'ailleurs le premier sera le dernier ce que nous enseigne la bible mais nous sommes appelés à terminer la course et aussi bien que les sportifs se préparent aussi bien que le fermier prépare sa terre pour aller de l'avant nous sommes appelés à nous préparer également nous sommes appelés à aller de l'avant dans cette course Or, il s'avère qu'on est souvent bloqué, on tourne en rond. On fait du surplace car, par exemple, nous n'avons pas le bon objectif. Ou alors, c'est notre passé qui nous retient. Ou alors, nous avons oublié de travailler, nous avons oublié de persévérer. Mais alors, j'ai envie de dire comment enclencher la première. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quand vous manœuvrez, moi, ça m'est déjà arrivé. On veut partir en première, mais malheureusement, c'est la marche arrière qui est toujours enclenchée, et on part, et puis il y a le mur juste derrière. Ça vous est déjà arrivé <laughs> Eh bien, tout d'un coup, on a un moment de sueur. C'est un moment assez tendu. Alors, l'objectif de ce message, c'est de voir comment est-ce qu'on peut passer la, deux, la première, éventuellement passer la deuxième, la troisième, la quatrième. Et pour ça, en trois points, nous allons tout d'abord, le premier point, développer... Ce que signifie combattre le bon combat. J'en avais déjà tiré quelques trois, quelques deux ou trois définitions, mais là j'aimerais vraiment qu'on puisse, dans ce premier point, nous recentrer sur l'essentiel et redécouvrir ce que c'est le bon combat. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons nous intéresser à avoir nos yeux fixés vers l'objectif, fixés vers l'avant. Et dans un troisième temps, nous allons étudier quelques traits de caractère qu'il est important d'avoir et de développer sur la route du ciel. Alors tout d'abord, le premier point, combattre le bon combat. Nous avions lu 2 Timothée 4, 6 à 11 la dernière fois, j'aimerais relire ce, ce passage où il est dit, pour ma part, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la cour, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Tâche de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Il est parti pour Thessalonique tandis que Crescens est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Paul, à la veille de sa vie, va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et je vais maintenant être récompensé. Comme il y a un bon combat, il y a aussi des mauvais combats, il y a aussi des choses vaines, des choses futiles. Une autre manière de vivre qui est aussi vaine et qui est particulière, on la trouve dans la Bible, dans Luc 12, 15 à 21, où, il est dit, où Jésus nous dit à ses disciples, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Et je crois que c'est une clé. Plus loin, il le dit cette parabole. Les d'un homme riche avait beaucoup rapporté il raisonnait en lui-même disant que vais-je faire en effet je n'ai pas de place pour entrer ma récolte voici ce que je vais faire se dit-il je vais abattre mes greniers je vais en construire de plus grands je vais y amasser toute ma récolte et tous mes biens et je dirai à mon âme mon âme tu as beaucoup de biens en réserve et pour de bon nombreuses années repose toi mange toi euh, mange pardon bois et réjouis toi mais Dieu lui dit, Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Dans ce texte, la manière de vivre de cet homme, c'était de s'appuyer sur ses biens. Et Jésus a clairement dit que notre vie ne dépend pas de nos biens même si on est dans l'abondance. Donc ça veut dire que nos vies ne dépendent pas de notre voiture, elles ne dépendent pas de notre maison, elles ne dépendent pas du salaire que l'on touche, elles ne dépendent que, de, que de, de Dieu. Exactement. Et pourtant, quand on regarde notre société, de manière générale, l'objectif des personnes, aujourd'hui, va concerner l'épanouissement personnel. On veut être bien à chaque instant de la vie. Ou alors ça va concerner leur travail, leur activité, ou alors les richesses. Plus ils en ont, moins ils sont contents, mais il en faut de toute manière plus. Ou alors sur leur performance, ils vont être tellement contents de dire, bah, tu sais, hier j'étais là, maintenant je suis là. Et leur objectif, c'est aussi d'avoir une capacité à être connu vis-à-vis -vis des autres. Également, essayer de refuser la peur du lendemain, de tout faire, pour être sûr que on sera là demain. on a envie de tout contrôler dans la société actuelle, même la vie. On, actuellement, dans un pays voisin, on parle de, de, la, la, la procré... euh, de la pma pour tout le monde. on veut tout contrôler et aussi un des objectifs principaux de notre société, c'est le divertissement. On est la société on, on est dans la société du divertissement. Et si on se rappelle ce que dit la Bible, c'est très intéressant, c'est qu'il dit il en sera des derniers temps comme au jour de Noé. Dans Matthieu 24, on lit ce qui arrivait à l'époque de Noé arrivera de même au retour du fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient, ils buvaient se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Si on extrapole à notre société, on voit que c'est tellement vrai. On mange, on boit, on est dans la routine, on se divertit, tout ça pour oublier Dieu. Même quand on peut connaître Dieu, même quand on peut être chrétien, le danger est là, non pas de servir Dieu, mais de se servir de Dieu. On rajoute le petit « ce ». On peut avoir cet objectif de se servir de Dieu. Et on inverse alors les rôles. On pourrait résumer que tous ces objectifs que l'on a vus, c'est qu'en fait, c'est de s'occuper pour ne pas mettre Dieu en premier. S'occuper pour éviter de mettre Dieu en premier. Et ça serait une définition du mauvais combat. S'occuper pour ne pas mettre Dieu en premier. D'ailleurs, la Bible dit, tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. D'accord La société actuelle est remplie de personnes qui vivent comme si Dieu n'existait pas, comme si elle était immortelle sur la Terre. Mais, ils sont immortels, mais ils se rendent compte qu'il y a quand même un paradoxe. C'est que la Terre sur laquelle elles sont, si on continue à ce rythme, il y a de fortes chances qu'elle sera détruite. N'est-ce pas eux ils sont immortels, enfin, mais on, ils se rendent compte qu'il y a quand même quelque chose qui, qui cloche. Alors maintenant, imaginons maintenant l'arrivée de certaines personnes au ciel. Voilà que nous avons un champion sportif en athlétisme qui arrive au ciel. Alors, c'est une, une histoire. Hein. Et il arrive... Et il attend son tour de passer devant Dieu, et il y a les anges qui sont là. Et les anges, curieux, lui demandent Mais qu'est-ce que tu as fait, toi, de ta vie quand tu étais sur la terre Et alors, là, tout fier, il dit Je ne peux pas vous le montrer, mais j'ai eu plein de médailles. Je suis recordman du monde, du 100 mètres ou du 400 mètres, voilà. Et je suis l'homme. J'ai été l'homme le plus rapide de tous les temps sur cette terre. Loin d'impressionner les anges, les anges ils disent, mais nous, on connaît quelqu'un qui, si tu avais lu ta Bible, t'aurais aussi connu. Quelqu'un qui s'est mis à courir et qui a rattrapé le char d'un roi. Élie qui, qui a couru après le, roi, après le, le, le char du roi d'Akab. Donc ce n'était sûrement pas des, des ânes qu'il avait. Ça devait être des chevaux assez puissant. Il les a rattrapés, il l'a même dépassé. Vous pouvez trouver ça dans la Bible. Et là, notre champion sportif se dit, ah zut, alors peut-être que j'ai raté quelque chose. Voilà un autre, un haltérophile qui arrive et qui est juste après notre champion d'athlétisme, il arrive et les anges, pareil, lui demandent, mais qu'est-ce que tu as fait toi de ta vie alors Il dit, Ben moi j'ai soulevé du lourd, hein. j'ai soulevé des poids. Ça ça, cela n'avait pas l'air d'impressionner nos anges. Et les anges lui disent Mais si tu avais lu ta Bible, tu aurais su qu'il y a quelqu'un qui a porté les portes d'une ville au-dessus d'une colline, qui est. sans son Et les portes d'une ville, c'est pas 100 ou 200 kilos, c'était des portes, c'est pas une porte comme ça, hein, c'était vraiment quelque chose euh, du lourd, du costaud. Et voilà un autre, une autre personne qui arrive, un philosophe. Les anges lui demandent Mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie Et le philosophe il dit Mais j'ai essayé d'expliquer aux champions sportifs, à un tel, que la vie, c'était pas ça, mais c'était la sagesse. C'était de disserter sur la sagesse. Et là, les anges disent Ah voilà un docteur en sagesse. Mais on va te parler de la sagesse de Dieu. Et là, tout d'un coup, notre, notre philosophe commence à se liquéfier. Il se dit, mais je ne suis même pas à ce niveau. Ce que je sais, c'est tout humain. Une, enfin, une dernière personne, c'est un musicien. Il arrive. Pareil, même question, qu'est-ce que tu as fait de ta vie Ah, moi j'ai été dans des grandes conférences, on m'a choisi pour faire de la musique et j'ai su élever l'âme des personnes. C'était tellement bien. Les anges ne disent rien, mais ouvrent juste la porte du royaume des cieux. Et là vient la musique du royaume des cieux. Et machinalement, ils commencent à essayer de reconnaître les rythmes, à essayer de reconnaître notre musicien, de reconnaître les rythmes, de reconnaître les notes de musique. Mais il n'arrive même pas et se dit, mais c'est quoi cette musique tellement miraculeuse Tous les objectifs, combats que l'on suit et qui n'ont pas de poids pour Dieu restent sur la terre en tant que souvenir. Pour les autres, c'est un peu comme la fleur qui fane et ça s'arrête là. Maintenant, quelles sont les personnes qui combattent le bon combat Nous avons vu des personnes qui ont eu de mauvais objectifs. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles ne connaissaient pas Jésus. Mais maintenant, imaginons une mère de famille qui arrive, les anges lui posent la question et lui disent, mais qu'est-ce que tu as fait Ah, moi j'ai élevé mes enfants. Je les ai élevés, je leur ai appris à aimer Jésus. Et aujourd'hui, ils aiment Jésus. Et là, les anges se réjouissent. Et disent Ah, mais ça, c'était bien. Ensuite vient un tel qui dit Ben moi, j'aime Jésus, j'aime mon prochain, et puis j'ai amené tant et tant de personnes, et les anges disent Ben, ah oui, on se souvient, c'est quand on a fait la fête. Puisque dès qu'il y en a un qui se convertit, on fait la fête ici au ciel. Voilà, toute cette deuxième catégorie de personnes sont des personnes qui ont eu leur objectif, écoutez bien, fixé par la relation qu'ils ont eue avec Dieu. Leurs objectifs étaient fixés par la relation qu'ils ont eue avec Dieu, avec Jésus. Aussi, essayons de définir qu'est-ce que c'est le bon combat, afin d'évaluer nos objectifs. Parce que obje le but, c'est de pouvoir se dire, voilà, moi j'ai tel ou tel objectif, qu'est-ce que en pense Dieu Alors, une définition du bon combat que je vous soumets, c'est aller de l'avant, main dans la main avec Dieu pour réaliser, accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés, à savoir aimer Dieu et son prochain, et de tout notre cœur. Je répète, aller de l'avant, main dans la main avec Dieu, pour réaliser, accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés, à savoir aimer Dieu et mon prochain de tout mon cœur. D'ailleurs, Jésus... Rappelle que la loi est résumée dans le fait d'aimer Dieu et son prochain. Une vie qui transpire ceci n'a pas besoin de déodorant, parce que ça sent bon. Une vie qui transpire ceci, c'est une vie qui combat le bon combat. C'est une lettre d'amour pour ceux qui, qui l'entourent. Autrement dit, je cours pour Dieu et non pas pour moi. Et c'est la différence avec les mauvais objectifs où je cours pour moi et non pas pour Dieu. Donc je répète juste la définition. Aller de l'avant, main dans la main avec Dieu, pour réaliser, accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés, à savoir aimer Dieu et mon prochain. Maintenant qu'on a le moyen d'évaluer nos objectifs, de les peser, avec cette définition, que doit-on faire Et c'est là qu'on arrive au deuxième point. Le regard fixé vers l'objectif. Dans Philippiens 3, 9 à 14, il nous est dit, c'est Paul qui dit qu'il veut être trouvé en lui, non avec sa justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice de Dieu qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi que Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose Écoutez bien, oubliant ce qui est derrière et me portant ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oubliant ce qui est je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers les celles qui sont devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul à travers ce texte nous informe qu'il a un objectif c'est d'être trouvé en jésus et d'être par... conforme à jésus dans sa mort et de parvenir à la résurrection des morts en d'autres termes c'est de vivre l'éternité avec jésus en acceptant de mourir à soi-même c'est un beau programme vous allez me dire et qui rentre dans nos définitions en haut Et une des clés de l'apôtre, c'est d'oublier ce qui est derrière et se porter vers l'avant. Il a les yeux constamment fixés sur son objectif jusqu'à terminer la course. Maintenant, imaginons un instant si Paul n'avait pas eu cette attitude. On se rappelle que Paul était un meurtrier. Vous êtes d'accord Et ce n'était pas un meurtrier involontaire, c'était quelqu'un qui voulait ramener les chrétiens de l'époque à la raison, c'est-à-dire sous la loi, imaginons qu'il n'avait pas oublié cet aspect de sa vie. Alors oublier là, dans notre sens, ça ne veut pas dire être amnésique. Hein. Il aurait probablement, on peut supposer, oh, était, être, il aurait pu être rempli de culpabilité suite au fait que c'était un meurtrier impossible de vivre la grâce de Dieu. Mais maintenant, il accepte cette grâce car il est une nouvelle créature. D'ailleurs, Paul, il était conscient de qui il était. Philippe nous l'a lu dimanche dernier dans 1 Corinthiens 15 8 10a où il nous dit où Paul dit que c'est un avorton et qu'il a besoin de la grâce de Dieu qu'il est le moindre de tous les apôtres. Paul, s'il re, regardait à son état qu'il a quitté, serait en train de se tourner en ronde, se morfondre sur qui il est, il serait resté prisonnier. Et c'est pour ça qu'il regarde vers l'avant. Jésus lui a dit qu'il est une nouvelle créature et il l'accepte par la foi et il va de l'avant. Ou alors, s'il s'était fixé encore sur les choses, de son pedigree, c'est-à-dire de son curriculum vitae, il aurait pu être rempli d'orgueil. Pourquoi Parce que juste avant le passage qu'on a lu toujours dans Philippiens 3, il dira la chose suivante, Paul, pourtant moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le huitième jour. Depuis sa naissance... Il a respecté les exigences de la loi judaïque. Je suis issu du peuple d'Israël. Il vient du peuple promis. Il vient de la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin, c'est une des seules tribus qui n'ont pas renié la lignée davidique, donc qui sont restées dans la lignée de Jésus. Il est hébreu, né d'hébreu, donc c'est un vrai, il est vraiment hébreu. Et en ce qui concerne la loi, j'étais pharisien du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église, et par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Voilà son pedigree. Il était parfait vis-à-vis -vis de la loi, c'est comme ça qu'il se définit. Mais il continue, il dit, mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ. J'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers Jésus. Paul a refusé de s'appuyer sur sa condition, sur son passé. Il parlera d'ordures, ce qui fait qu'au lieu de régresser, de tourner en rond, il voulait aller de l'avant avec Jésus. Et l'apôtre continue dans son dans Philippiens 3 en nous. Exhortant de suivre son exemple. Il dira Nous tous, qui, donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes à autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Pourquoi cette exhortation de Paul pour la simple et bonne raison que la chair de tout homme, de toute femme, elle la même, c'est qu'elle va chercher à s'appuyer sur sa condition, sur qui elle est, sur ses capacités, sur ses forces, au lieu de regarder à Jésus, au lieu d'aller vers l'avant. On va tomber dans le piège du remords, de la culpabilité, alors, et on aura de la peine à vivre comme si on était une nouvelle créature. Tant que l'on reste dans cette... Dans, dans ce, cette condition, le fait de regarder en arrière sur la route du ciel, sur la route de l'éternité, on va faire du surplace comme un bateau qui n'a pas retiré son ancre. Vous rentrez dans une, dans une barque et vous ramez et au bout d'une heure, vous vous rendez compte qu'il est toujours attaché au quai. Ou alors vous rentrez dans une barque et vous avez oublié une rame et vous ramez et vous tournez en rond. C'est exactement ça. L'apôtre Paul nous exhorte à oublier, non pas à être amnésique parce qu'il faut savoir se servir de son passé pour ne pas recommencer, mais à se porter vers l'avant, vivre le présent avec la grâce de Jésus. Parce que ce que nous avons, c'est le présent, c'est le moment où nous choisissons de faire quelque chose et nous pouvons le faire avec la grâce de Jésus. Et il nous reste aussi le futur qui, même s'il ne nous appartient pas, il sera impacté par notre présent. Si nous vivons le présent avec la grâce de Jésus, eh ben nous vivrons notre futur avec Jésus, d'une manière ou d'une autre. J'ai eu l'occasion, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est la slackline. Vous connaissez Tu connais Vous savez, c'est un peu, vous avez, euh, c'est un fil qui est tendu. Vous montez dessus et vous devez faire, euh, allez, deux mètres sur le fil. Et un des principes qu'ils nous ont appris, c'était de ne pas regarder nos pieds, mais de regarder l'objectif là où on veut aller. Pourquoi Parce que si on commence à regarder nos pieds, on va les voir qui tremblent, donc no notre œil va dire, euh, il faut que tu rééquilibres. Alors on va partir d'un côté, ça va amplifier le phénomène et au fur et à mesure, ben on va voilà, on risque de tomber. Alors que si on regarde l'objectif, on s'occupe pas de nos pieds, c'est plus facile. Je dis pas que c'est plus, c'est plus facile. Je dis pas que c'est facile parce que honnêtement je n'ai pas réussi, mais on arrive déjà à tenir sur le fil, c'est déjà ça. Et ce principe elle-même, ne regardons pas nos pieds, mais regardons à Jésus. Comme Pierre devait regarder à Jésus quand il était dans, sur marchait sur l'eau, quand il a commencé à regarder autour de lui, c'est là qu'il s'est enfoncé. Donc maintenant que nous avons pu définir le bon combat, que nous avons un moyen d'évaluer nos objectifs, que nous avons vu qu'il était important de l'avoir en point de mire, d'avoir nos yeux fixés sur Jésus, d'avoir nos objectifs centrés sur Jésus. Il nous reste un aspect qui est à développer ou bien à redécouvrir. C'est de travailler avec persévérance sur le chemin du ciel. Dans notre vie chrétienne, nous devons redécouvrir qu'il y a du travail, qu'il y a de la persévérance. Dans Jean 9, 1 à 4, vous pouvez lire, voilà que Jésus est avec ses disciples et puis un homme aveugle. Et la, la question des disciples va être mais c'est qui, lequel a péché, c'est lui ou bien ses parents Et Jésus va avoir une réponse assez surprenante. Il va lui dire, il va répondre ce n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Les disciples s'étaient arrêtés à discuter, à de savoir, à commencer des, des, à commencer une théologie. Et alors que Jésus, lui, il est allé dans l'action, il est allé pour travailler et il terminera en disant, il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour, car la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Savez-vous que la Bible parle de paresse Est-ce que vous le savez Où sont les principaux versets sur la paresse dans la Bible Les proverbes. Alors je vais vous donner un travail pour la prochaine fois, pour le prochain volet, parce qu'il y aura un troisième volet. Vous allez venir avec une feuille, avec les 30 versets la 30, 30 versets sur la paresse écrit. Et ça, je peux vous dire que ça amène à réfléchir. Ah, vous allez dire, oui, mais c'est que dans le monde séculier, ça parle seulement de ceux qui veulent pas gagner leur pain et qui vivent aux dépens de la société. Non, parce que la paresse, ce n'est pas uniquement dans le domaine séculier, c'est aussi dans le domaine spirituel. D'ailleurs, dans la parabole des talents, il est dit que Dieu reprendra, enfin que le maître reprend son serviteur et dit, serviteur paresseux, si tu savais que j'étais bon, tu aurais pu au moins mettre ton talent à la banque pour le reproduire. Et d'ailleurs, Jésus était un travailleur dès son plus jeune âge, car il va dire à ses parents, mais ne savez-vous pas que j'ai les affaires de mon père à mener à bien Mais il va dire à ses disciples, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas, c'est de faire la volonté de mon Père. Et c'est pour ça qu'il est dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Et c'est ça que cela veut dire, travailler pour Dieu, c'est une nourriture. Il y a des conséquences. Mais pour ça, il faut être, il faut, il y a cet aspect du travail. Une petite image. Un jour, le photographe, un photographe a dit ⁇ Quand rien ne semble me redonner du courage, je vais rendre à visite à un tailleur de pierre. ⁇ Et je l'observe alors qu'il frappe la pierre de son marteau près de 100 fois sans que rien ne se passe. Mais soudain, au 101e coup, la pierre se fend et se partage en deux. Je sais que ce n'est pas le dernier coup du marteau qui a soudain cassé la pierre. Mais que tous les coups y ont contribué. Alors, si vous êtes dans votre vie chrétienne en train de tailler quelque chose et que cela fait 100 fois que vous tapez, alors tapez une 101e fois. Pourquoi Parce que le travail avec persévérance est récompensé. Dans Hébreux 10, 35 à 36, il est dit N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui est promis. Hébreux 6, il est dit, Hébreux 6, 11 à 12, et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Vous ne vous relâcherez pas, vous persévérerez. Romains 15. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et continue en disant que le Dieu de la persévérance et du réconfort nous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres comme le veut Jésus-Christ. La persévérance, Dieu, il est dit, le Dieu de la persévérance, Dieu est persévérant. La persévérance est une qualité qui nous permet d'obtenir la récompense promise. Malheureusement, ce n'est pas une qualité qui s'obtient devant un distributeur, je mets tant de pièces, gling, je veux de la persévérance. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Ça serait tellement plus facile. Mais la persévérance s'obtient comment en endurant. La persévérance, l'endurance, pour ça, pour la travailler, il faut endurer. Et la persévérance produit des, des personnes sur le chemin du ciel, la persévérance produit des personnes qui, qui sont fiables, qui ne vont pas abandonner aux premières difficultés. Elle va produire des personnes courageuses comme Josué, des personnes endurantes dans la détresse. Est-ce que vous connaissez William Wilberforce Connaissez pas vous connaissez pas Vous saviez qu'à un, un, un moment donné, il y avait l'esclavage. Ouais. William Wilberforce, justement, était quelqu'un qui était contre l'esclavage. Donc c'est un Anglais qui était contre et il était, si je ne dis pas de bêtises, député. Et à un moment donné, il était complètement découragé. Et son ami, euh, Moody, qui est un évangéliste du temps, a eu vent du fait de son combat et lui a écrit la chose suivante. Si ce que tu as dans le cœur ne vient pas de Dieu, tu vas le perdre. Mais si cela vient de Dieu, alors persévère, car rien ne pourra te nuire. Six jours après, Moody est décédé et William Wilberforce a continué son combat pour jusqu'au jour où l'esclavage a été aboli. Il a persévéré, persévéré, envers et contre tout. Il a travaillé et persévéré. D'ailleurs, si jamais il y a un film sur cette histoire, nous arrivons donc à la conclusion. Et nous avons vu qu'il était important d'évaluer nos objectifs et de voir si on combattait le bon combat. Nous avons vu en deuxième qu'il était important de lever les yeux, de fixer nos yeux sur l'objectif, de fixer nos yeux vers l'avant, d'aller de l'avant vers Jésus et de nous débarrasser de ce qui nous retient pour ne pas faire du surplace. Et nous avons vu en troisième temps qu'il était important de travailler et de travailler avec persévérance et que la récompense vient avec la persévérance. Alors, en mot d'ordre pour cette semaine qui s'annonce, je vous laisse Éphésiens 5 à 16, 5-16, pardon, où il est dit « Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. » Travaillons, mettons à profit les occasions pour faire connaître Jésus, pour sourire, pour aider, pour être une lettre remplie d'amour pour les autres. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci pour ces textes. Merci aussi parce que tu nous parles, tu me parles. Et Seigneur Jésus, ben, aide-nous à aller de l'avant, à évaluer nos objectifs. Aide-nous à... Ouais, à fixer nos regards vers toi et à nous débarrasser de ce qui nous retient en arrière. Et Seigneur, donne-nous cette grâce d'apprendre à persévérer, à travailler, travailler encore et encore, et à ne pas nous arrêter au centième coup, mais d'aller plus loin. Et je sais que tu es un Dieu qui, quand on est fatigué, tu nous forces pas, tu attends, tu nous relèves, tu nous redonnes des forces, comme tu as fait avec Élie afin qu'on puisse taper ce 101e coup sur la route du ciel pour voir du changement, pour voir quelque chose. Seigneur, permets-nous d'être ces personnes qui ont les yeux pleins d'espérance, tournés vers le ciel. Donne-nous, à nous qui sommes présents et à cette Église, de manière générale, Seigneur, d'être ce genre de personnes. On a besoin de ta grâce. Amen.